Bonjour, je vous propose la lecture de Noyeux Joël, un album de Stéphanie Blake aux éditions L'École des loisirs. Noyeux Joël! Ce soir, c'est Noël. Simon est allé chercher un sapin avec papa. Pendant que papa installe le sapin, Simon et Gaspard déballent les décorations de Noël avec maman. Quand le sapin est décoré, maman dit « Il faut préparer un goûter pour le Père Noël ». Simon s'inquiète. « Papa dit qu'il y aura une tempête de neige cette nuit. Comment il va faire le Père Noël pour trouver notre maison ?»« Ne t'inquiète pas, » dit maman. « Il se débrouillera très bien. Il a l'habitude. » Une fois au lit, Simon devient écarlate. Il neige à grosses pattes. « Gaspard, comment veux-tu que les rennes se dirigent par une nuit pareille ? Il faut aider le Père Noël. »« Il faut l'aider, tu comprends ?»« Non, comprends pas. On ne peut pas laisser le Père Noël se débrouiller tout seul. Et s'il survole la maison sans la voir ? » ?»« Ben quoi ?» Ben, pas de cadeau, idiot! Yes, j'ai trouvé! Viens, suis-moi, Gaspard! En catimini, sans faire de bruit, Simon et Gaspard enlèvent les guirlandes du sapin. Pour faire une méga piste d'atterrissage. De retour dans la maison, Gaspard et Simon s'endorment, rassurés. Et le lendemain matin, lorsque sa maman lui dit « Tu vois, Simon, le Père Noël a trouvé la maison ?» Simon répond « Normal, on a fait une super méga piste d'atterrissage. Noyeux Joël !» Mais où sont passées les guirlandes lumineuses ? Demande papa. C'était Noyeux Joël de Stéphanie Blake.